N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut les top ondeurs. Il y a plusieurs mois, on avait vu le top 10 des plus beaux cosplays féminins et cette fois-ci, on va voir le top 10 des plus beaux cosplays masculins et croyez-moi, il y a quelques petites surprises. Les cosplayers sont des passionnés que rien ne fait reculer pour la réalisation de leurs costumes hors normes. Ce sont avant tout des artistes et des superbes artisans avec beaucoup de cordes à leur arc. Souvent acteurs, chanteurs, DJ, photographes, sculpteurs et j'en passe. Mais avant de commencer, stop, je compte sur vous si vous êtes intéressé de vous inscrire à mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat, vous avez les liens dans la description. Et bien sûr, pour voir plus de top, de bombarder la barre de likes. On essaye d'atteindre les 1000 likes. Jackie Darkness. On commence par ce jeune Thaïlandais. Quand on le regarde, on a toujours un petit doute de savoir si c'est un homme ou une femme. En tout cas, c'est une bête de concours qui a gagné beaucoup de prix et la qualité des maquillages et costumes sont magnifiques. Elfie Cosplay. Son surnom représente bien l'individu. Elf comme elf, ses créatures légendaires nordiques, et Fi comme Finlande, son pays d'origine. Né en 1987, il aime se déguiser comme les elfes depuis plus de 10 ans. Il réalise tout de A à Z, et son premier costume fut celui de Kurosaki Ichigo en 2006. D'ailleurs, au passage, j'avais kiffé l'anime Bleach. Jeff Seeger. Ce jeune homme de 28 ans est américain. De formation coiffeur, il s'est très vite dirigé vers la création de costumes et il est aussi producteur musical. Ici, vous pouvez remarquer les détails de ses réalisations. Et il n'y a pas à dire, c'est tout simplement magnifique. Liwi Aquino. Originaire des Philippines, il vit à Manille, mannequin businessman, acteur de films publicitaires. Son âge, impossible de le trouver, alors je compte sur vous. Liwi participe à des concours de cosplay depuis 2011. Sa passion n'est pas seulement de porter les habits de ses héros, mais également de comprendre leur personnalité. D'ailleurs, son visage semble tout droit sorti d'un manga japonais. Touga Lane. Né au Japon en 1993, ce cosplayer japonais est très populaire. Ses costumes et surtout ses maquillages et expressions sont incroyables. Lui aussi semble tout droit sorti d'un manga, et la finesse de son visage et la perfection de son maquillage font qu'on ne sait même plus si c'est un homme ou une femme. En gros, pour un cosplayer, beau travail. Nathan Deluca. Je sais pas si mon accent est bien, mais on s'en fout, on va faire avec. Alors ce Canadien de 28 ans qui étudiait la psychologie s'est retrouvé par hasard cosplayer. Un jour, cloué, malade, il s'est mis à surfer sur le net. Et là, il découvre le monde du cosplay et commence à fabriquer des costumes. De là, une passion est née et grâce à ça, il peut voyager dans le monde entier. Personnellement, je trouve qu'il a une vraie tête de guerrier quand il enfile ses tenues. Surtout, moi étant grand fan du jeu Doom, son cosplay Doom. On part en Italie avec Léon Chiro. Ce cosplayer est né en 1991 et a commencé à se produire à l'âge de 19 ans. Sa première victoire, le prix de la meilleure interprétation en 2011 à Lucha en Italie en endossant le costume de Kung Lao, personnage mythique de Mortal Kombat. Depuis, ses victoires ne se comptent plus. En dehors du monde du cosplay, il est mannequin, coach sportif, etc, etc. Busy le mec. Comme il l'écrit, il fait lui-même ses costumes et ses accessoires et surtout, il met tout son cœur dans l'interprétation de ses cosplays. Nightmage. De son vrai nom, Michael Wilson, il pourrait être qualifié de héros dans sa vie réelle, non seulement shérif adjoint de l'Ohio aux États-Unis, mais aussi cascadeur, il a été décoré pour sa dévotion en qualité de bénévole. Même à travers son métier de cosplay qu'il exerce depuis 2012, il n'oublie jamais de transmettre ses valeurs. Il a même participé à des productions hollywoodiennes telles que Avengers ou Captain America 2. Il est considéré par ses compères comme l'un des meilleurs cosplayers au monde. Carlos Blanchard. Alors là, on arrive dans du très très lourd, attention. Né en 1962, ce cosplayer a commencé très jeune à fabriquer ses déguisements. En novembre dernier, il a fait partie des 5 cosplayers américains à avoir été invité au lancement d'un nouveau congrès en Arabie Saoudite. En 2015, il était également le premier cosplayer américain à avoir été invité en Chine. Son personnage préféré est Batman. Et il faut avouer qu'avec ou sans son masque, il a vraiment la gueule de l'emploi. On dirait Batman. Dan Kish. Son vrai nom, Dan Sakar, est un Canadien qui vit aux États-Unis à Seattle. Passionné de robots et de héros ninja, il a commencé à faire ses propres costumes comme hobby pour les fêtes d'Halloween et s'est enfin décidé à concourir en 2010. Depuis, il est connu dans le monde entier. Il faut quand même avouer que ses créations sont incroyables quand on voit la précision dans chaque détail. Ben voilà, c'est terminé pour ce top 10 des cosplays masculins. Alors si t'as kiffé, je compte sur toi pour un max de likes. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Tu t'inscris si tu l'as pas encore fait aussi à mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Et bien entendu, aussi à ma chaîne YouTube en activant la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!